Je suis très heureuse de vous annoncer, à l'occasion de cette journée mondiale dédiée à nos compatriotes sourds et malentendants, le lancement d'un module d'apprentissage de la langue des signes française sur notre plateforme internet Qioz, Q-I-O-Z. Il s'agit d'une application totalement gratuite pour tous les franciliens que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Cette plateforme permet l'apprentissage des langues. Avec plus de 350 000 inscrits, on peut y apprendre d'ores et déjà l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le mandarin. On peut y apprendre le français langue étrangère. Et désormais, vous aurez un tout nouveau module pour découvrir les bases de la langue des signes et puis aussi la culture sourde et malentendante. Il s'agit d'un engagement qui figurait dans mon projet régional. Et je suis très heureuse de cette ouverture, permise notamment grâce à l'aide de notre partenaire engagé dans la promotion de la langue des signes, l'Académie de la langue des signes française, et tout cela en collaboration avec l'Institut national des jeunes sourds. Qioz illustre à la fois ma volonté et mon ambition de faire de la région une région vraiment multilingue, une région dans laquelle chaque francilien connaît l'autre, dialogue avec lui et s'ouvre au monde.